Vers le 34e dimanche de l'année B, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors, tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Ma royauté n'est pas de ce monde. Dans ce procès de Jésus devant Pilate, nous sommes devant deux conceptions du pouvoir et de la royauté, et par conséquent aussi deux conceptions de Dieu tout-puissant qui s'affrontent. Cela nous invite à une conversion, comme le dit Jésus dès le commencement de son ministère en Galilée. Le temps est accompli, le royaume des cieux est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tout le ministère de Jésus, par sa parole et ses actes, donne à voir la venue de ce règne de l'amour de Dieu. Les guérisons sont un signe de la libération du mal et de la souffrance que Jésus vient accomplir, et le pardon et le don de la paix. Jésus est le roi d'amour de ce royaume qui vient. Il vient, il est le serviteur de cette croissance dans l'amour, dans ce royaume, pour que les hommes entrent dès maintenant et pour toujours dans cette union, réconciliation entre les hommes et avec Dieu. Oui, le Christ est roi, mais un roi serviteur et non un roi dominateur. Comme il invite ses disciples à le comprendre, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ce que veut nous dire saint Jean quand il nous rapporte l'interrogatoire de Jésus par Pilate, c'est que Jésus est le roi de l'humanité au moment même où il donne sa vie pour elle, où il la sert. Ce roi-là n'a pas d'autre ambition que le service. Ce royaume n'a rien à voir avec nos royaumes de la terre défendus par des gardes. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Son royaume, c'est celui de la vérité. Pas d'autre défense que la vérité. Je suis né, je suis venu dans le monde, dit Jésus, pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. La vérité, c'est que Dieu n'est qu'amour et don de soi. Voilà le cœur du monde, la vérité. Le mot vérité au sens biblique veut dire fidélité solide de Dieu. En hébreu, il est de la même racine que le mot amen, qui signifie ferme, stable, fidèle, vrai. On le voit dans le psaume 92-93 de notre fête. Précisément parce que la vérité est une personne, Dieu lui-même. Personne ne peut prétendre détenir la vérité, dire j'ai la vérité. On appartient à la vérité, elle ne nous appartient pas. La vérité, donc le Christ, dont le Christ est la révélation pleine et entière, dont il est le témoin fidèle, c'est que Dieu n'est que amour. Dieu est bonté radicale qui se donne, comme le contemplera un saint Bonaventure, par exemple. Il n'y a rien en Dieu de mauvais, de violent. En contemplant le cœur de Jésus transpercé, comme nous y invite notre pape, nous pouvons contempler ce cœur blessé d'amour pour chacun de nous, plein de douceur et d'humilité. Celui qui écoute la voix de Dieu dans son cœur entend l'Esprit attester en lui que Dieu n'est que amour et don de soi.
Écoute, Israël, le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence et de toute ta force. Celui qui se laisse saisir par l'Esprit, celui qui appartient à la vérité, celui-là appartient à la vérité et devient à son tour témoin de la force de l'Esprit. Dieu n'est qu'amour et radicale bonté. Ce procès entre Pilate et Jésus continue dans le monde et dans nos cœurs jusqu'à la fin du monde. Jésus refuse jusqu'au bout de répondre au mal par le mal, à la force et à la domination par la violence. Il est le visage et la révélation de l'amour du Père. Qui me voit, voit le Père. Le monde est marqué par le règne de la force, de la domination et de la violence. Le royaume de Dieu n'est pas de ce royaume-là. Il n'est qu'amour, service, pardon et don de soi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus est bien roi, mais dans l'amour, et uniquement dans l'amour. Ça entraîne une conversion de nos compréhensions de la royauté et du pouvoir. Dieu est roi tout-puissant, Dieu est tout-puissant, mais c'est une toute-puissance d'amour uniquement qui rejette toute violence. Le Fils de l'homme est la figure de l'humanité unie dans le règne de l'amour. Dans les évangiles, Jésus emploie fréquemment cette expression, Fils de l'homme. On la retrouve plus de 80 fois. Et très visiblement, c'est pour se désigner lui-même. Ce Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel, dont parlait le prophète Daniel, désignait le Messie. Mais un Messie collectif, le peuple des saints du Très-Haut. Ainsi, quand Jésus se désigne comme le Fils de l'homme, le Messie promis, il annonce que ses disciples sont appelés à participer à son règne, le royaume des cieux dans leur cœur. Chaque prière eucharistique nous fait entrer dans ce projet d'amour en nous transformant par la force de l'Esprit pour faire de nous des membres du corps du Christ, des membres du Fils de l'homme, de l'humanité habitée par Dieu, transformée par Dieu, communion d'amour. Ainsi, l'épiclèse ecclésiale de la troisième prière eucharistique dit ces mots magnifiques. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Voilà. Voilà ce qui est dans ce nom de Fils de l'homme qui est un titre collectif du Messie qui représente les saints du Très-Haut, le peuple des saints du Très-Haut, le peuple des membres du Fils de l'homme. Chaque Eucharistie nous fait vivre un peu plus de cette communion dans l'amour dans le Christ qui est le projet de Dieu pour l'humanité. Saint Paul dira dans l'Épître aux Romains, cela à sa façon, l'Esprit Saint nous est donné pour faire de nous des fils adoptifs dans le Fils. Il manque finalement à Pilate peut-être d'accepter de ne pas chercher à détenir la vérité, mais d'être pris par elle, de lui appartenir. Appartenir à la vérité, c'est vivre de l'amour de Dieu, c'est devenir en Jésus participant de l'amour de Dieu. Apparemment, c'est la seule chose qui nous est demandée pour participer à la royauté du Christ. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Autrement dit, ce sont les pauvres de cœur qui sont les vrais rois, à commencer par Jésus lui-même.